Après 14 années passées à l'Élysée et quelques semaines avant de mourir, François Mitterrand livra son testament politique aux Français. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Qu'a donc découvert François Mitterrand après 14 années passées à la tête de la France et qui lui a fait dresser un diagnostic aussi sombre? Pourquoi donc les États-Unis d'Amérique poussent-ils tellement à la construction européenne? Parce que nom d'une pipe, quand je suis à l'école, quand je suis au collège, au lycée, quand j'écoute la télévision, la radio, quand je lis les journaux, quand je lis les professions de foi des uns et des autres, quand j'écoute les hommes et les femmes politiques français, je suis convaincu d'une chose, c'est que la construction européenne, paraît-il, a vocation à faire contrepoids aux États-Unis. Alors, si ce que l'on me dit depuis que je suis né est vrai, mais comment se fait-il que les États-Unis poussent tellement à une construction dont l'objectif serait de leur nuire? Ça n'a pas de sens. Il y a une seule conclusion logique à en tirer, c'est que ce que l'on vous dit est un mensonge. We'll be right back.